Aaron, mon lit n'est pas ton terrain de jeu. Aaron, mon lit n'est pas ton terrain de jeu. Vraiment, ces enfants-là. Tu regardes quoi à la télé? Il a sorti les plus. Tu regardes quoi à la télé? Ben, c'est noir. Donc en fait, je peux me faire toaster, mais non pas avec le Nutella. T'es chaud en pétard. Je sais. Ah bon, ce que tu manges? Ah ouais, il mange comme un grand. Waouh. C'est un grand garçon maintenant. Waouh. Et c'est la troisième fois qu'on lui remet des céréales. Il a demandé à avoir plusieurs fois des céréales dans son lait. Tout à l'heure, on va aller à Jiffy. Non, on va pas à l'école, c'est dimanche. On va aller à Jiffy. À Jiffy ou à la Foire Fou, je sais pas c'est lequel qui est ouvert le dimanche. C'est vrai, elle a cassé le manche de mon balai. De mon super balai. Là. Normalement, ça se met dedans et ça se tourne. Mais le truc qui se tourne, il est plus dedans. Du coup, bah, ça tient pas. Hein, mademoiselle? Fouille pour m'acheter un manche à balai parce que l'autre, Sephora l'a cassé. Ouais. Mais du coup, quand on va dans un endroit comme ça, on finit toujours à amener plein de choses. Donc, j'ai pris une bassine comme ça. C'est pour me faire mes bains de pied et ma pédicure. Ou en fait, parce que ça fait 10 000 ans que je me rends compte que ça fait 10 000 ans que j'ai pas fait de pédicure. En faire une prochainement. Si vous voulez, vous me dites en commentaire, je pourrais filmer un bout. Qui dit aller à la foire fouille avec des enfants dit prendre des choses inutiles. Donc voilà, des moulins à vent. Le bleu, c'est Sephora qui l'a choisi. Le rouge, c'est Aaron qui l'a choisi. Tiens. Tiens, Aaron. Je me suis pris des piles comme ça. Parce que tout simplement, pour mon appareil à mousser le lait, mon fouet électrique là, ben j'ai pas de pile, il en faut deux. Et pour mon appareil pour me faire maison, mon kit manicure qui zzz, là, il m'en faut deux aussi, des grosses et j'ai que des petites. Donc j'ai pris un pack de machin, c'était 2 euros celui-là. Non mais le pire c'est que quand j'étais à la foire fouille, ça c'était 2 euros. La même chose à BM, c'était à 6 euros. La même chose, exactement la même marque. J'ai pris des lingettes comme ça pour nettoyer la maison, les surfaces et tout blabla.
J'ai pris un spray comme ça pour nettoyer mon tableau de bord, la Odeur Bubblegum, pour nettoyer mon tableau de bord et puis les trucs plastiques dans ma voiture. Je me suis rendu compte que mon All Purpose, vous savez mon truc que j'avais pris Action, que j'avais kiffé là, regarde, il reste juste ça. L'autre, le deuxième, je l'ai donné à ma mère. Pareil pour le truc de la douche, le deuxième, je l'ai donné à ma mère. Pareil, le deuxième pour nettoyer la cuisine, je l'ai donné à ma mère. Fais. Ah, tu veux que je tire? Tu sais que je suis en train de faire le videur alors tu chuchotes? Oui. C'est bien, chérie, tiens. Merci. Alors voilà, comme c'est terminé, bah, j'en ai racheté. Mais c'est pas la même marque du coup. Donc j'ai celui-là. C'est quoi? C'est Fabulosa. Et c'était un acheté, deux achetés, le troisième offert. Donc j'ai pris les trois senteurs qui étaient là. Voilà. Pour la douche, j'en ai encore. Pour celui de la douche, j'en ai encore. Et du coup, bah, j'ai pris ceux-là, quoi, en fait. C'est pas de trucs spécifiques, hein. C'est pas genre, c'est tout, c'est multi-usage. Il n'y a pas de pièces spécifiques. Donc voilà. Ensuite, j'avais kiffé les onigiri que j'avais fait la dernière fois avec Sephora. J'ai encore 10 feuilles de nori. Du coup, j'ai racheté du thon. Ok, normalement, on n'achète pas ça, mais bon, à BM. Normalement, on n'achète pas ça à BM. Mais bon, à BM, il y avait ça dans le rayon. Je suis passée devant, je fais « Ah ouais, c'est vrai, je peux faire mes onigiri, là, dis donc !» Du coup, j'ai pris deux boîtes. À BM, toujours. J'ai trouvé ça. Donc, je vous avais dit que tout mon linge de maison, mon carton linge de maison a été perdu. Je ne sais pas où c'est. Pareil pour mon sac, mon carton sac à main. Je ne sais pas où c'est. C'est perdu, je ne sais pas. Du coup, bah, linge de maison, de mon côté, j'ai que des dépareillés. Genre, j'ai la housse de couette qui est d'un motif, les thés d'oreiller qui sont d'un autre motif, le traversin qui est d'un autre motif. C'est voilà. J'ai qu'une seule housse de couette d'ailleurs. Sur mes 5-6 housses de couette, j'en ai qu'une seule. Donc, la dernière fois, j'en ai racheté pour Sephora. Et là, je m'en suis acheté pour moi. Donc voilà, ça, c'est un réversible. Regarde comment ça fait. C'est motif comme ça d'un côté. Là, tu vois, motif comme ça d'un côté. Et c'est réversible de l'autre côté, regarde. C'est tout rose comme ça de l'autre côté. Donc si un jour, une semaine, enfin, deux jours, je veux avoir ce côté rose tout simple, je peux mettre le côté rose tout simple. Et le jour d'après, je peux mettre le côté motif comme ça. Ça va, c'est pas mal. Et comme c'est les seuls, bah, y avait une promotion dessus. Et le deuxième lot que j'ai pris, parce que oui, j'ai été teintée, j'en ai pris deux d'un coup. Comme ce sont les soldes, je me suis dit, bah tiens, pour le prix d'un, je peux en prendre deux, vu que c'est les soldes. Voilà. Donc on va y recommencer. Ça aussi, c'est réversible. Regarde le motif. C'est comme ça d'un côté, et de l'autre côté, c'est noir façon marron, comme ça, là. Je sais pas si vous voyez bien. J'arrive pas à vous le montrer, genre comme ça, là. J'arrive pas à bien vous le montrer. Bref. C'était pas cher aussi, vu qu'il y avait la promotion. Normalement, ça, le prix de ça, c'était un seul. Mais comme c'était divisé par deux, vu les soldes, c'était moins 50% sur un, bah, pour le même prix, j'ai pu en prendre deux. Directement. Pour le prix d'un, avec les soldes, j'ai pu en prendre deux. Voilà. Là pour Aaron. Waouh. Nous avons un signe comme ça. Et des prix. Des nuggets, plein de trucs d'ailleurs. Wow. Yeah. Toujours pour Aaron, nous avons un petit coca ici. Même si je sais qu'il va pas le boire, il y a des fruits comme ça, des pommes à croquer. Pour Sephora. J'ai dit ça ou son machin. Pour moi, je me suis pris un Lipton Green Ice Tea là. Pour Sephora, c'est un coca sans glaçon. Voilà. Tu manges tranquillement, Sephora. Tu prends le temps de savourer, pas la peine de tout dégommer. Personne ne va rien te donner après. Comme j'étais partie au cinéma la dernière fois, j'ai eu des coupons pour des produits au McDo, quoi. Du coup, bah voilà, des nuggets, des frites là. Des frites pour Sephora.
C'est vrai, j'ai pris un McFirst au bœuf. Voilà. Tu prends le temps de savourer. Je te dis oui, oui. Là, cette fois-ci, j'ai bien insisté pour qu'on me mette bien le poulet. Je vous avais dit là, le beef tasty. Je vais enfin pouvoir goûter le beef tasty au poulet. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais goûté le beef tasty au poulet. Je sais que c'est Aaron, il va déjà en taper dedans. Même s'il a déjà des nuggets dans son menu. Oh. Voilà. Sur 6 nuggets, j'en ai donné 3. J'en ai gardé 3. Et c'est bon, c'est bon. Et en plus, il me demande encore d'avoir. C'est bon, maman, elle a 2. Elle a 5. Vas-y. Elle a 4. Maman, je l'ai 5. Nuggets, donc sauce de luxe. Regarde ça. Bon, on va aller voir ça là. Pas ça. Je mets bien la salade dedans. Les tomates, faut bien les mettre au milieu. Pas ça. C'est la tomate avec de la salade. C'est le burger de maman. Maman, elle va goûter pour la première fois celui-là. Là. Allons voir. Bon, qu'est-ce que je veux garder? Apparemment, ça c'est un peu pourri. Comment on dit que c'est pourri, ça en ce moment, c'est là. Ça, je vais regarder quand les enfants vont dormir parce que là, ils vont me fouler sinon. Voilà mes dames là. C'est un peu violent, c'est quoi ça? Non. Ah oui, c'est ça que j'ai regardé. Yay. C'est quoi ça? Ouais, oui. En fait, ce boîtier là, il regroupe tout. Il n'y a pas besoin de prendre d'abonnement Netflix, Amazon Prime, Disney, tous les des machins là. Même les Canal Plus et les Canal Sat, tout ça, c'est tout est réuni dedans pour 20€ pour l'année. Donc je paye une seule fois 20€ et j'ai tout dedans. Les nouveaux films qui sont sortis au cinéma, je les ai là. Ils sont tous là. Tous les Disney, tous les Netflix, tous les Amazon Prime, tous les Paramount, tous les Banshee, tous OCS, Max, OCX, machin, tout est dedans pour 20€ l'année. Après, le boîtier, il faut le payer. Le boîtier, il a 30€. Tu payes le boîtier une fois et puis voilà. Après, tu peux voir soit en français, soit en anglais sous-titré. Dans toutes les langues que tu veux, il y a arabe, français, anglais, tout machin. Il y a hindi, il y a tout. Bon. Voyons voir ce que j'ai mis en favori là-bas.
Regardez. J'ai bien envie de regarder celui-là avec Christina Ricci. Ouais. C'est seulement le 13, mais au cinéma, je l'ai déjà là. Bah, je vais regarder ça, mais quand les enfants vont dormir, parce que... Regarde. C'est qui? C'est qui? Quelqu'un qui arrête pas de gigoter à côté de moi. Oui, toi. Oui, toi. Oui. Ça sent bon déjà? C'est bon. Merci chérie. Ok maman. Ça fait chaud, il y a du feu. Ah, pourquoi ça? C'est la sauce vitre. Comment c'est bon, c'est quoi ça? C'est le coup de bambou. Un bon match. Je couvre et je fais le riz. Souffle. C'est comme ça que tu souffles, hein. Aaron. Aaron, il mange des beignets au chocolat. Et Sephora, qu'est-ce que tu manges? On est à grand frais là. Je mange un cookie au chocolat, tout chocolat. Tu manges un cookie tout chocolat? Ouais. Pris un moi aussi. Je m'en suis aussi pris un. Tiens, attrape. Je le filme là parce que il n'y en aura plus à la maison quand je vais montrer les fruits qu'on a achetés. Hello les Frenchies. Pomme rouge. Ouais, tu manges la pomme rouge. Oh, ça, c'est une épée. Mm-hmm. Et toi, tu manges quoi? Pomme rouge. La pomme rouge. Mm-hmm. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui. Bon. Oui, c'est bon. Mais j'ai froid par contre. Grand frais. Alors à grand frais, il y a toujours un Marie Blachère à côté. Voilà, comme ça. Du coup, à Marie Blachère, j'ai pris deux cookies comme ça, là. Alors il y en avait un pour Sephora. L'autre, celui-là, ce sera pour moi. Je le mangerai sûrement en buvant mon thé. Ouais. Tout à l'heure, Aaron, tout à l'heure. Aaron, il a eu un lot de 3 beignets, 3 mini beignets. Non, même pas, c'est combien? 4 mini beignets fourrés au chocolat, 2 offerts. Donc voilà, il les a tous bouffés dans la voiture. Sephora a mangé son cookie aussi dans la voiture. Alors, à grand frais, j'ai pris ceci. Ça pique, hein? Hein? Ça pique, hein? Comme dit Aaron. Ça pique, hein? Tu sais, c'est quoi ça? Le piment. Oui, c'est le piment. Ça pique, hein? Ah, ça pique, hein? Avec ça, j'ai pris des fraisinettes comme ça, là. Comme dit Sephora, des bébés. Yeah! Des bébés bananes, oui, des bananes. D'accord, je t'en donne une. Donne. Donne, on dit s'il te plaît, non? Mais oui, tout à l'heure, elle a fait la même chose. Donne. Maman, c'est tout petit, oui, c'est tout petit. C'est pour faire des bébés bananes. C'est pas pour faire des bébés de bananes. Avec ça, j'ai pris 3 Combava, mais franchement, vous faites pas avoir un grand frais. Il y avait un panier en osier rempli de petits citrons comme ça, écrit Combava. Mais quand tu les sens, il n'y a pas l'odeur de Combava. Et là, j'en ai trouvé dans tout le panier, il n'y en avait que 3 qui étaient des vrais Combava.
Genre, il faut frotter et normalement, il doit avoir une bonne odeur acidulée qui sort de la peau. S'il n'y a pas d'odeur acidulée qui sort de la peau, la acidulée, genre bizarre, fort, c'est que c'est pas des combats vins. J'aime trop l'odeur. Je sais pas comment décrire. J'aime trop l'odeur. Elles sont bonnes. Avec ça, j'ai pris des pommes. J'en ai pris plein. Des pommes en veux-tu, en voilà. Voilà. Plein de petites pommes, toutes rouges. J'ai l'impression d'être la méchante sorcière avec Blanche-Neige. Là, c'est quand Blanche-Neige, elle tombe. Regarde. Veux-tu une pomme, mon enfant? Non, non, t'inquiète pas. Elle n'est pas empoisonnée. Croque. T'es dead. Et pour finir, après les pommes, tiens, bah mange-la, t'as dit que t'allais manger une pomme. Et pour finir, j'ai pris des mangues, elles sont toutes molles. Les mangues du Pérou, c'était 1,99€ le kilo. 1,99€ ou combien? Je sais plus c'était combien le kilo. 1,99€ la pièce. Et elles sont toutes molles. Je vais en manger tout à l'heure. Elles sont toutes molles. Oh, j'ai hâte. C'est pas comme les dures bizarres qu'on voit au Champ Carrefour là, elles sont toutes molles. Ça se voit qu'elles vont être sucrées. Ben voilà, c'est tout. On va couper le gâteau qu'on a fait. Oui. Il est bon. Il sent bon. Oui. Merci chérie. Dodo. Tu vas faire la sieste? Attends, j'ai sur l'île, maman, j'arrive. Alors le blanc que vous voyez dedans, c'est des Kinder Maxi. J'ai mis des bouts de Kinder Maxi dedans. Voilà. On va aller voir le médecin tout à l'heure. Ronnie est malade. On va aller voir SS médecin tout à l'heure. Ronnie fait de la fièvre. Oui. Et il a les yeux tout rouges. Mon bébé, demain tu vas pas à l'école. Hein? Demain tu vas rester avec maman. J'en connais une ici qui est jalouse, elle veut rester avec nous demain. Ouais. Alors qu'à la piscine demain, tu peux aller à l'école. Hein. T'es pas malade. Je veux aller à l'école, je veux aller à la piscine, je veux aller à la piscine. Bah ouais, voilà. Bon, on sort de chez SOS Médecin. Aaron a encore une double otite. Ah bon? Oui, t'es malade, t'as une double otite. Le vilain pas beau, il a regardé tes oreilles, il a vu des bobos des deux côtés. Du coup, en sortant de là, Aaron a demandé à manger McDo. McDo. Coup, McDo. McDo est bon. Du coup, il a le plus de plaisir. Bah, ils ont pas mis les nuggets, j'avais demandé des nuggets pour Aaron. Ils ont mis un burger. Pardon, ils se sont trompés, ils t'ont mis un burger. Bah tu vas prendre le burger. Alors on vient d'acheter 2-3 trucs là. À peine arrivés, les enfants ont décidé de faire une cabane. Oui. Toc toc toc. Qui est là? C'est madame maman. Ok, rentrez. Alors voyons voir comment elle est votre cabane. Comme ça. Nice. Ici nous avons le petit salon. Ouais. La couette. Ouais. Et les petits jeux. Et on a aussi la petite vue juste là. Ok. Ok. C'est bien, dis donc. Waouh. Allez, au revoir. Au revoir. C'est l'heure de notre pause déjeuner. Ok. Je vais venir voir du côté d'Aaron. Je vais recommencer du côté d'Aaron. Non. Coucou Aaron. Coucou Aaron.
Ça va, c'est grand chez vous, c'est un thé quoi? C'est un type 1 ou c'est un studio? C'est un type 1. D'accord. T1. D'accord, il n'y a qu'une seule chambre alors, ça veut dire? Oui. Ok, bon bah tout à l'heure. J'aime bien quand les enfants jouent comme ça ensemble. C'est bien. Ah. Hé, petite galette. Ça va? Tu retournes chez toi? On tourne. Ah, d'accord. Fais attention, tu renverses pas là-bas. Hein. Sinon, votre matelas, il sera tout mouillé. Hello, Sephora. Hello. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur toi? Vous avez deviné si vous suivez la chaîne depuis longtemps. C'est une frange. Ah, Sephora, une nouvelle frange. Oui, toi aussi, toi aussi. Elle est super belle, ta frange. Vas-y, tourne. Tes cheveux, ils ont bien poussé. Hein. Tourne, 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 tourne. Mouin. Ah, coucou. Tu fais de la trottinette? Par là? Attends. Maman se met de l'autre côté pour te filmer. Attends, attends. Allez, fais. Tu fais de la trottinette, Aran? Vas-y. Attends, Yaya. T'as bien serré tes pattes à roulette? Viens vers moi par ici. Tant que t'es sur l'herbe, tu vas pas tomber. Arrenez. Coucou. Viens. Attends, je te dis quand je suis prête. Attends, là il y a des personnes. Tu as peur de cogner les personnes? Oui, j'ai peur de cogner les personnes si j'arrive pas à m'arrêter. Viens par là, chérie. Fais le petit pas comme à la maison. Pas trop vite, Sephora. Oui, viens, on y va. Allez, va, va avec Yaya. Reste concentré, Sephora. Je suis là, t'inquiète pas. Ben roule! Roule si tu veux rattraper ta soeur! Oh, roule! Bravo! Waouh! Bravo les enfants! Ne va pas trop vite, Sephora! Si tu sens que tu vas tomber, jette-toi dans l'herbe! Si tu sens que tu vas tomber, jette-toi dans l'herbe! Ça te fera moins mal! Waouh! Bravo! Oui! Nous allons faire soirée pyjama. Alors, nous avons tout ce qu'il faut ici. Nous avons des films, plein de films. Bon, les images ne sont pas encore affichées, mais plein de films cinéma et tout blabla. Voilà. On peut lire les titres. Voilà, et nous avons ici le buffet. Tout ce qu'il faut pour grignoter. Des Doritos, des Monster Munch, des Popcorn, du Coca et de l'Oasis. On va regarder un film, un Disney? Vous voulez un Disney? Oui. Ok, je ferme la porte. On s'en fiche. C'est super joli comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'Aaron me dort dessus à chaque fois. Là, genre, c'est mon sein. Là, c'est mon ventre ou mes fesses. Ça dépend de comment je suis allongée. Et voilà comment il dort. Une partie de son corps ici. Une autre partie sur moi. Et l'autre partie sur le reste. Voilà, c'est ce qu'il fait tout le temps. Tout le temps. C'est comme ça qu'il fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis énormément fatiguée la nuit. Le matin, quand je me réveille, je n'ai pas le temps de récupérer parce que j'ai
Je suis hyper fatiguée.